tout donné, et voilà, je pense qu'on est encore en cage, c'est vrai que ça se joue à rien aussi, c'est un match très serré, mais bon, voilà, on a tenu le cap, on a pu scorer, on a réussi à faire un joli ce groupe, etc. Donc voilà, c'est super, on va jouer au final. Il y avait de l'euphorie dans les vestiaires, vous avez entendu chanter. Oui, il y avait de l'euphorie, pas plus que ça, honnêtement, pas plus que ça. Voilà, je crois que les joueurs savent que c'est qu'une étape, mais si c'est une belle étape. Voilà, on a le final à jouer dans 3 semaines. On a un match championnat dans 1 semaine. On aura un week-end de repos juste avant la finale. Et ensuite, on aura, j'espère, encore 3 autres matchs. Enfin, 2 autres matchs, pardon. Donc voilà, il va falloir faire quelque chose de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, etc. En termes de récupération, en termes de préparation physique, pour optimiser le rendement de chaque joueur. Ça serait réducteur de ne parler que de Johnny Wilkinson, mais on va reconnaître une nouvelle fois Sir Johnny après un certain âge. Il était au pied, il était géniteur, il était déterminant. Ce drop, il a 9 points, c'était exceptionnel. Voilà, donc c'est Johnny. C'est Johnny, c'est un grand joueur, il est là dans les grands rendez-vous, mais effectivement, tu as raison de le signaler, il n'y a pas eu que lui. Il y a beaucoup de joueurs autour de lui qui ont fait du boulot, et voilà,